Fin d'activité pour Bandago Ahmed. Il vient de tomber dans les filets des hommes du général de division Kwasi Kwaku gervais commandant supérieur de la gendarmerie nationale. faits remonte au 3 novembre 2013. Ce jour-là, la section antidrogue de la gendarmerie nationale procède à la saisie d'une importante quantité de cannabis, 154 kg au total, dissimulé à l'intérieur d'un corbillard au corridor d'Azagui. Interpellé et interrogé, le conducteur du corbillard, Kobenakra Deni fournit alors des informations qui permettent aux gendarmes de la section antidrogue de remonter la filière de ce vaste réseau de contrebande. Les fins limées de la gendarmerie nationale vont ainsi démanteler l'une des ramifications de la filière située à Bouaké par l'arrestation de Touré Amadou. Interrogé, ce dernier fournit à son tour des renseignements importants aux enquêteurs qui vont conduire à l'arrestation du cerveau de la bande de dealers en la personne de Bandaogo Ahmed de nationalité ghanéenne. Il a été arrêté dans la nuit du dimanche 5 janvier à Abobo, Avocati et avait en sa possession 18 kg de cannabis étalés sur la banquette arrière de son véhicule. Conduit dans les locaux de la section antidrogue, Pandaogo Ahmed n'a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Il sera conduit devant la juridiction compétente pour répondre de ses actes.